Bonjour Chris, et donc la première partie du tuto doit t'expliquer comment faire le trou. J'ai vu que tu me posais la question de savoir comment fermer justement la deuxième face. J'avais noté sur en postant le tuto, j'avais noté qu'il suffisait dans l'outil extrusion de valider l'option couvercle. Donc je vais te montrer ça, ce sera plus simple. Et puis comme il est question de pouvoir se servir justement de ce trou ultérieurement, c'est toujours bien d'en avoir un de côté. Donc, de savoir comment on peut le mettre dans la bibliothèque, et ben on va voir ça maintenant. On va faire un tuto complet. Je vais même te faire un exemple avec 4 trous. On va pas faire 18 trous, hein. Pas question de faire un golf là, mais avec 4 trous, ça ira bien. Ok? Comme ça, c'est 4 trous, ça fera une forme carrée avec 4 trous, et puis c'est très bien. Alors, on reprend donc notre histoire de disque. Notre disque, ici, on va passer en affichage de Goro pour voir les polygones qui ne sont pas d'ailleurs, puisque c'est pas encore converti en objet polygonal. Polygonal, pardon. Et donc ça nous donne un aperçu du nombre d'arêtes, et c'est comme ça qu'on peut se dire qu'avec 2 ça suffit, et avec 8 ici ça suffit aussi. Boum! Voilà, donc ça après, hein, c'est vu, c'est acquis, je passe assez vite là-dessus parce que ça va aller. Voilà, on va convertir ça en éditable. Donc là maintenant, on va aller en mode point, on va aller sélectionner, hop, outil sélection, nos 3 points ici, qu'on va faire remonter un chouïa pour éviter quand on met à 0, que parce que là, ça ne le fera pas. Mais je t'explique que des fois, tu fais ça. Alors là, je sélectionne, je supprime, donc effacer, hein, retour en arrière, entrée, ça met la valeur 0 automatiquement. Mais des fois, ça peut arriver que les points soient tellement proches que, mettons, ces points-là, ces deux-là, ils soient à ce niveau-là, plus haut que les autres. Et quand tu fais à 0, du coup, il passe derrière les autres et c'est un peu en kikinant. Donc c'est pour ça que généralement je les décale toujours avant, quitte à les replacer après, hein, c'est pas un souci, mais ça évite beaucoup de manipulations qu'on regrette après, parce que quand les points ils se chevauchent et qu'ils sont passés d'une face à l'autre, on tire un côté, ça retourne la face, ça fait tout un chanchullo, comme on dit en espagnol. Et donc ça fait un gros bordel, quoi. Donc on évite ce genre de choses, c'est quand même mieux. Donc là, pareil, hein, donc, sauf que c'était sur l'axe X, hein, t'as remarqué. Là, on va bouger un peu ici, par ici, même chose. Hein, on met sur l'axe X, hop, tac, tac, 0, voilà, c'est carré, c'est bon. Ces faces-là, ah, j'avais oublié de les effacer, tiens, bon, bah, hop, on va le faire maintenant. C'est pas grave, voilà, on a notre trou. Alors, le mieux dans ce cas-là, c'est quand tu es dans cet état-là, tu peux faire un truc bien régulier. Hein, si tu veux, tu sélectionnes tous ces points-là. Voilà, tu les rapproches un peu, si tu dis oh ouais, ce sera mieux comme ça, en plus petit, c'est à toi de voir, ça c'est une affaire de goût. Le mieux c'est que dans cet état-là même, tu le laisses comme ça. Après, de toute façon, en fonction de ta modélisation, il faudra que tu rajoutes des coupes ou que tu mettes un hypernurbe, mais hop, non, attention, là j'ai sélectionné un point qu'il ne fallait pas. En fonction de ta modélisation, après quand tu mettras dans l'hypernurbe, il faudra refaire des arêtes et d'autres coupes. Mais à la base, quand il est comme ça, tu veux le sauvegarder, tu veux le mettre de côté pour t'en servir éventuellement dans une autre modélisation. Tu peux pas le mettre dans la bibliothèque comme ça directement. Il faut que tu le mettes dans un neutre. Donc tu sélectionnes ton objet, tu fais Alt G. Alors il va le grouper, mais il va le grouper tout seul, mais surtout pour le mettre dans un neutre. Ce neutre-là, tu double-cliques dessus, tu effaces, tu le renommes trou. Voilà. Et avec le trou sélectionné, parce que c'était l'idée. Donc voilà, tu fais comme ça, tu viens ici, cliquer sur Fichier, enregistrer le pré-réglage d'objet. Donc la première fois que tu vas le faire, il va te demander de confirmer, machin, tout, mais après, il ne te demandera plus ça. Une fois qu'il y a eu un objet d'enregistrer, après, il te demande, voilà, il te met d'office le nom que tu lui as mis dans le neutre. Et bon, bah, tu cliques sur OK. Et normalement, maintenant, si je repars sur un projet tout neuf, c'est-à-dire qu'ici, on fait tout fermer. Voulez-vous sauvegarder? Non, je m'en fous, puisque mon trou, normalement, maintenant, je l'ai dans la médiathèque, sauf si j'ai fait une mauvaise manipulation. Mais comme je sais que ce n'est pas le cas, on va te faire voir. Maintenant, tu vois notre projet, tu as fait ton trou, il est tranquille, tu viens le chercher. Alors, on va revenir en arrière, parce que moi, il s'ouvre directement sur la médiathèque. Voilà. Tu viens ici cliquer, donc dans ta médiathèque ici, tu as un dossier User, Objet, dans lequel tu vas retrouver ton trou. Donc tu double-cliques dessus, et ton trou, tu le retrouves dans une nouvelle scène. Alors il est mis dans un neutre. Non, là il y a comme un souci, là c'était le premier que j'avais fait, celui-là je ne le veux pas. Donc, autant pour moi, il va falloir que je l'enlève, celui-ci. Ça c'est le premier que j'avais fait, et celui-là je ne veux pas pour le tuto, parce que... Alors je vais revenir ici, je dois en avoir un deuxième. Bon, voilà, c'est celui-ci. Celui-là, ça je le garde parce que... Non, je vais le supprimer celui-là, c'est pas la peine de s'enquiquiner avec, c'est aussi bien de garder... voilà.
le tout simple. Tu double-cliques dessus, voilà. On se retrouve avec le trou qu'on vient de faire, qui est tout à fait normal, pas mis dans un hyperneur, vous n'avez pas aucun souci. Donc là, en fait, ce disque-là, tu n'es pas obligé de copier tout le nôtre, hein. Tu peux juste copier, cliquer sur le disque, avec la touche CTRL appuyée, tu cliques gauche, tu fais glisser et t'en fais un deuxième, un troisième, un quatrième, et en mode objet, tu vérifies bien hein, que tu ne sois pas en mode point, tu le déplaces ici, ça, tu le mets, normalement ça doit être en Z, je suppose, oui, voilà, hop, hop, voilà, et celui-ci, tu le mets ici, ça, on va le mettre ici, voilà. Voilà. Donc normalement, si tu as une modélisation à faire, ce qui est le mieux à faire, c'est que si tu as une pièce carrément, ou si une photo ou un blueprint, donc c'est l'idéal, hein, tu le mets en fond et puis voilà, il n'y a pas de souci. Tu te bases dessus pour mettre les trous aux endroits où tu veux, en sachant que tu peux déplacer des trous, tu peux choisir toujours justement d'aller chercher les bords ici, les agrandir. Si tu veux, si ta pièce est très longue et puis tu as les trous qui sont un peu décalés, excentrés, tu peux très bien juste sélectionner ces points-là. Comme ça, par exemple. On va voir ça après, parce que justement, on va le faire juste avant de connecter tout ça. Et de placer tes trous aux bons endroits. Et comme ça, il n'y a aucun souci. Ou alors sinon, tu places tes pièces aux bons endroits directement. On va dire, tiens, voilà, comme ça. Dans l'exemple où les trous sont alignés, s'ils ne sont pas alignés, il faudra peut-être bidouiller un peu plus... judicieusement pour remplir les trous, mais on va partir du principe où ils sont alignés. Et voilà. Donc là, on a ça, on a nos quatre trous. Là, pour le moment, tu as vu, on n'a pas fait d'extrusion, il n'y a pas d'autre face fermée. On met en place la modélisation avant de faire qu'une extrusion. On met en place déjà les pièces et on fera l'extrusion hyperneurbs et puis évidemment les coupes pour pouvoir faire l'hyperneurbs, pour pouvoir garder des arêtes franches. Je m'excuse, 2 minutes. Oui, désolé pour le bruit environnant, c'est mercredi, mercredi après-midi, donc voilà, on sait ce que ça veut dire. Alors, là, on en était, qu'on avait nos pièces. Donc, tu t'occupes effectivement de faire le placement de tes trous, etc. Et après, on va se charger de faire une seule pièce de tout ça. Parce que de toute façon, maintenant, si tu dois souder tous ces points-là, ou faire des pontages entre chaque, tu vas avoir un souci, c'est que Cinema 4D ne te soudera jamais, ne fera jamais de pontage non plus entre deux objets différents. Donc il faut avant tout les lier tous ensemble. Donc c'est pour ça que celui-là, on va le sortir aussi, ici. Et on va sélectionner donc nos quatre trous, 10 disques, hein. Après tu les nommes comme tu veux, ici ils sont renommés disques, mais bon voilà. Et on va faire un clic droit, connecter et supprimer. Voilà, maintenant on n'a plus qu'un seul objet. Maintenant on va pouvoir souder les points entre eux pour faire quelque chose de plus cohérent. On va donc aller chercher ça. Et on va faire en sorte que cette pièce-là, enfin ces quatre pièces, ces quatre bouts de pièces deviennent une seule pièce. Là c'est fait, mais maintenant il faut le faire dans la réalité. Alors on va aller sélectionner en mode point. On va aller sélectionner en mode point et on va faire simplement des soudures. Donc voilà, alors l'outil soudé, tu l'auras ici dans maillage, c'est dans les outils de transformation. Voilà, ici. Tu le retrouves aussi avec un clic droit sur l'écran ici. Ici. Voilà, moi je l'ai ici parce que ça me va bien de faire comme ça. C'est une question de personnalisation d'interface. Il y a des tutos qui ont été faits là-dessus. Je te conseille de les regarder. Après, s'il y a encore des questions, n'hésite pas à poser. On verra si on refait un tuto encore plus complet. Mais normalement, je pense qu'avec les explications qu'il y a, Camille en parle, il me semble que c'est In Space Metal aussi. Déjà, rien que sur le Fofo, tu as déjà au moins 2 tutos qui parlent de la personnalisation d'interface. Alors, nos points. Excuse-moi. Donc, on va aller chercher nos points ici et on va aller chercher l'outil soudure. Hop, donc, souder. Alors, on peut choisir, tu vois, tu as un petit point au milieu, si tu soudes au milieu ou tu sautes d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire que là c'est ce point-là qui va se rapprocher d'ici. Moi je vais faire le choix de souder au milieu, mais tu n'es pas obligé de faire comme moi. Donc voilà, hop, soudé. Maintenant on va appuyer sur la touche espace, ce qui fait que ça sélectionne le dernier outil, donc c'était l'outil sélection, donc ça tombe bien. Hop, voilà. Maintenant je rappuie sur la touche espace, ça sélectionne le dernier outil, enfin l'avant-dernier, celui qui avait juste avant sélection, c'était soudure. Voilà, donc après il va suffire d'appuyer sur la touche espace à chaque fois pour changer d'outil.
C'est quand même génial. Alors là, par contre, tiens, j'ai loupé quelque chose. On aurait pu faire comme ça. Voilà. Là, on va faire carrément sélection. On va aller en sélection. On va choper ces quatre points-là. Et on va faire souder. On va souder ici. Voilà. Voilà. Toujours avec la touche espace entre chacun pour changer d'outil. Ça va beaucoup mieux. Voilà. Voilà. Hop. Là, on ne voyait pas trop le point du milieu. Bon. On verra, on alignera tout ça après, de toute façon, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, on alignera tout ça après, que ce soit plus joli. Voilà, donc là, effectivement, on a un truc qui est un peu tort, hein, quand même. Hein. Si on regarde par en haut, on voit que tous ces points-là, c'est pas génial. Alors, on va donc sélectionner. Oh, pardon. On laisse la soudure. On va sélectionner ces points-là, ici, qui se trouvent être au milieu. Et on voit qu'ils ont un décalage en Z de 16,7 cm. On va mettre ça à 0, et voilà, c'est tout propre, c'est tout joli, c'est tout aligné. Là, on a une pièce avec un maillage qui est irréprochable au niveau des trous. On est obligé quand même, dans la mesure du possible, de garder ces arêtes-là ici, parce que c'est quand même elles qui forment justement. Si je veux, je peux joindre hein, ça. Si j'enlève ces arêtes-là ici, j'aurai quand même, je vais avoir des N-gones qui vont pas être. Le mieux, c'est de rester sur du 4 côtés. Donc, si on veut garder du 4 côtés, c'est vrai qu'il, dans une optimisation vraiment, c'est le féru, l'intégriste si on peut dire, l'intégriste de l'optimisation, on dira, mais il y a des arêtes qui sont inutiles parce que cette arête-là, là, qui vient ici, là, il n'y a pas besoin d'y être. Ces points-là, ils peuvent être liés. Oui, c'est vrai, mais seulement le problème qui se passe, c'est que du coup, on n'est plus sur des 4 angles. Alors, c'est bien de garder l'habitude de rester sur des 4 angles, c'est-à-dire en fait des polygones à 4 côtés. Parce que sinon, on va se retrouver avec un polygone qui va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça va être 10, ça va être un peu spécial comme truc. Donc après, il faudra encore recouper dedans. Le mieux, si on ne veut pas s'enquiquiner, c'est de faire comme ça. Donc là, on a notre pièce. On avait besoin d'une pièce avec 4 trous, ça tombe très bien. On va aller chercher l'outil de sélection. On va aller chercher dans notre pièce, hein, qu'on peut nommer autrement. Hein. Tu double-cliques dessus, tu le nommes autrement. Par face, on va faire CTRL A pour sélectionner toutes les faces et on va faire extrusion. Alors ici, dans l'outil extrusion, tu demandais comment faire pour fermer l'autre face parce que dans ton cas, dans le cas avec l'hypernurbs, ça peut être carrément mortel. Sache que s'il n'y a pas de face derrière, l'hypernurbs n'arrondit pas. Il ne peut pas arrondir puisqu'il n'y a pas de face. Donc du coup, tu te retrouves avec quelque chose de net. C'est dans le cas où une pièce est fermée qu'il faut faire des coupes au niveau des arêtes ou faire des arêtes en biseau pour pouvoir refermer l'angle pour limiter la fonction arrondie de l'hypernurbs. Si tu as une pièce qui est ouverte et que tu mets l'hypernurbs, l'hypernurbs agira sur les pourtours de la pièce, mais sur les côtés où les arêtes sont ouvertes, il n'aura pas d'action. Il aura du mal à avoir une action. Ce n'est pas le cas ici, attention, ici c'est une pièce, les arêtes sont ouvertes, mais il y a une. Comment dire, c'est un anneau. C'est dans le cas où justement la pièce que je t'avais faite, tout le fond n'était pas fermé. Si tu mets ça dans un hypernurbs, il ne va pas t'arrondir ce côté-là. Il va t'arrondir le haut et puis le bas, il ne va pas te l'arrondir, il va te laisser vraiment anguleux. Alors bon, c'est peut-être pas une bonne affaire. Mais enfin voilà, il faut quand même que tu saches que l'hypernurbs agit à partir du moment où il y a un angle pour agir dessus. S'il n'y a pas de face de l'autre côté, donc il n'y a pas d'angle, il ne pourra pas agir dessus. Donc là, tu coches l'option couvercle et tu montes. Et là, tu montes de la dimension que tu veux. Et effectivement, là, comme l'option couvercle est cochée, on voit que l'autre côté est fermé. Donc là, il n'y a pas de souci. Par contre, ce que je te recommande de faire, c'est dans le cas où tu t'es servi de cette option-là, de repartir sur, mettons, je sais pas moi, sur un objet, de resélectionner autre chose. Tu vois, par exemple, quelle que soit la face hein, de l'objet, tu sélectionnes une face, quelle qu'elle soit. Voilà. Et tu repars sur l'outil extrusion et tu décoches l'option couvercle parce que ça, c'est un oubli qui arrive souvent, on fait. Et après, dans le cours de modélisation, on extrude, mettons, pour déformer un objet ou pour rétrécir un espace. Et du coup, il y a des couvercles qui vont se mettre. Ça veut dire qu'on va avoir des faces à l'intérieur qui ne servent à rien, qui sont là et qui risquent de nous enquiquiner parce que s'il y a des faces à l'intérieur, ça veut dire qu'il y a des points sur le pourtour ici. Et que bon, là pour le coup, c'est vraiment pas une scène optimisée. Donc pense bien, une fois que tu es servi de l'option couverte, à décocher, c'est-à-dire à resélectionner l'outil extrusion une deuxième fois. Pas sur la même sélection parce que sinon il va te réextruder encore de la même valeur. Et de sélectionner une autre face au hasard, hein, machin, et puis de décocher ça de façon à remettre à son état d'origine.
Bon, là, on a notre pièce. Le problème qui se passe, c'est que si je mets ça dans un Hypernerd, si je mets ce disque-là dans un Hypernerd, on se retrouve avec quelque chose qui est... Je ne vais pas parler d'un biscuit, parce qu'on va encore me sortir le coup du belin. Puis du coup, là, de toute façon, il n'y ressemble pas du tout à un belin. Mais en même temps, il me fait penser quand même à quelque chose de... d'organique un peu, ou de... Bon, enfin... Bon, bref. Donc, voilà. Là, ce qu'on va faire, dans ce cas-là, on voit bien que l'hypernerve ici a une action pas bonne, quoi. Donc, on va pas s'enquiquiner avec ça. On va se servir de l'outil biseau. On va aller chercher ici sélection par boucle. Alors, tu vas voir ce qui va se passer quand j'ai fait une sélection par boucle ici. Ah, par chance, parce que autant il aurait pu me prendre le carré. Parce que des fois, ça retient, ça prend juste un carré. Alors, des fois, voilà, tu vois. Et là, tu es obligé, du coup, de bien sélectionner, de faire gaffe à ça. Donc, tu sélectionnes ici, tu sélectionnes. Ici, pareil, tu fais le tour parce que tu vas voir, sinon il te refait le même coup aussi de l'autre côté. Voilà. Voilà. Tu sélectionnes ces faces-là ici qui sont autour. Donc là, du coup, tu fais une sélection par anneau. Tu peux aussi une sélection par boucle d'ailleurs. Mais là, si j'en fais trop en même temps, je risque d'avoir un souci. D'ailleurs, on va le voir. On va le créer peut-être le souci. Si ça passe bien, tant mieux. Mais des fois, ça passe pas bien parce qu'il y a des biseaux qui prennent le pas sur les autres. Même s'ils ne se touchent pas. Là, on va faire. Sélection par anneau et on va sélectionner ces arêtes là. Non, c'est pas la peine, donc là j'ai plutôt intérêt à faire une sélection manuelle. Parce que du coup là ici j'ai des arêtes qui me servent à rien ici. On se rend bien compte que déjà ça on peut les optimiser. Ouais, on va optimiser ça après. Voilà. Hop, on va voir parce que des fois si quand il y a beaucoup trop d'arêtes sélectionnées. Alors si le gizmo te gêne, qui prend le pas, que tu n'arrives pas à sélectionner une arête, tu fais Alt, D, il disparaît, et comme ça tu es tranquille, il ne te gêne plus sur ta vue pour faire tes sélections. Ça arrive des fois quand on veut sélectionner un objet, du coup il le bouge parce que ça a pris le pas sur la fonction que tu voulais. Donc là j'ai toutes les arêtes sélectionnées, on va voir ce qu'il nous dit. On va faire un biseau, biseau 0 en subdivision, c'est pas la peine de mettre une autre subdivision. Mets-en une si tu veux, oui, parce que comme ça va le faire directement. Voilà, et puis on va juste baisser un peu la valeur du biseau. Moi je baisse comme ça puisque c'est la version R15 là, donc autant se servir. Voilà, donc là on a un joli biseau. Maintenant par contre, si j'active l'hypernerve, je me retrouve avec quelque chose de tout carré, tout bien fermé, avec des jolis trous bien ronds. Optimisation de la scène. Optimisation de la scène, ce qu'on peut faire effectivement là, c'est d'ailleurs j'aurais dû le faire avant, mais effectivement le mieux là, tu as des arêtes ici, là, juste celles qui sont sur la tranche qui ne servent à rien, puisque de toute façon ils sont reliés au point ici, donc ça sert strictement à rien de les garder. Tu peux maintenant, on va voir si je le retire, si je vais enlever l'hypernerve, ce sera quand même plus pratique pour moi. Si je fais dissoudre, est-ce que ça va me poser un problème sur mon biseau? Absolument pas. Donc à ce moment-là, tu t'enquiquines pas, tu fais comme ça, comme ça. Alors, effectivement, là, tu vois, on se retrouve... Non, bah là, c'est bien parce qu'il m'a pas fait de triangle. Ça, c'est l'outil avec la R15. S'il y a des triangles, ça nécessitera peut-être de... Là, ici, tu touches à rien. Tu touches juste les arêtes qui sont au milieu de ton objet. Hop, outil dissoudre avec un clic droit sur la scène, d'accord? C'est un clic droit. Dans le vide pour avoir ce menu qui apparaît. Voilà, et ici en fait tu retrouves tous tes outils. Le mieux des fois, plutôt que d'aller chercher là-dedans, tu le retrouves là, pontée, extrusion, tout, tu les retrouves tous ici directement. Ça va aussi bien dissoudre. Voilà, là tu as un objet qui est optimisé et puis qui est fait, qui est fermé. Si on fait un rendu directement, on se rend compte que bah voilà, c'est impeccable, hein. Ça accroche bien la lumière sur les arrondis, etc. En plus, comme on s'est servi du biseau, c'est joli. Et puis, oui, qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, effectivement, j'avais dit aussi, t'es pas obligé non plus d'avoir des trous qui sont tout droits. Je veux dire, ton objet peut-être qui nécessite d'avoir des trous obliques. Il n'y a aucun souci avec ça. Tu le mets comme ça, tu fais en sélection par boucle. Tu vas sélectionner ces arêtes-là ici. Ici, tu sélectionnes bien celles qui sont à l'intérieur, hein, aussi, hein, parce que sinon ça posera un problème. Tu sélectionnes bien toutes les arêtes qui s'occupent de ce bord-là, et tu peux très bien les déplacer. Ah, là, je vais faire Alt D pour faire réapparaître mon gizmo. Et tu peux très bien déplacer comme ça. Dans un axe, tu fais gaffe à bien te servir que d'une flèche, surtout qui ne monte pas ni rien, parce que sinon ça va te décaler au niveau de la hauteur. Donc tu bouges bien que sur un axe, tu fais bien attention à ça. Et là, même avec l'hypernerve,
tu auras quelque chose avec un trou qui oublie que ta pièce elle peut nécessiter d'avoir des trous qui ne sont pas nécessairement droits, tu vois. Et tu auras une jolie pièce avec un joli rendu. Et voilà, j'espère que ça aura répondu à ta question pour ce qui est de fermer l'objet, de connecter avec une autre pièce avec plusieurs trous. Bon, bah, après, si la pièce elle continue, qu'il n'y a pas de trou, il n'y a aucun problème. Hein. Tu penses toujours à faire tes soudures entre pièces et tout avant d'extruder. Parce que sinon, il faudra que tu fasses des extrusions séparées. Et le problème que tu auras, c'est que quand dans ta pièce, en admettant qu'ici, là, ça se soit relié après à une plaque qui n'est pas perforée, du coup, dans ta pièce, tu auras la face de cet objet-là, plus la face qui sera jointe à celle-là de l'autre objet, et qui seront carrément inutiles et qui risquent de te foutre un bordel. Donc, pense toujours à faire ta pièce à plat au départ, et d'extruder ensuite les parties qu'il y a extrudées, des valeurs où il faut. Mais fais attention à ne pas extruder directement et puis dire après je vais coller avec l'autre carré. Imagine là maintenant tu as des biseaux et tout, tu ne vois pas le bordel, s'il faut que tu t'amuses à souder les points de biseaux avec l'autre, et puis qu'après tu supprimes cette arête-là, que tu supprimes les arrondis de ce biseau-là, que tu ressoudes. C'est toute une. Enfin, c'est faisable, hein, je veux dire, mais c'est vraiment se faire chier pour pas grand-chose. Le mieux, c'est tu fais ta pièce à plat. Tu fais tes trous, tu places tout ce qu'il y a à placer et tout, et ensuite tu extrudes et tu t'occupes des biseaux, voilà, dans cet ordre-là. Ensuite tu textures, ensuite tu fais tes éclairages, et puis tu fais tes rendus, et puis tu as une jolie modélisation à nous présenter sur le Fofo. On t'attend quand même. Alors voilà pour les petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Et donc j'espère que ça aura apporté, 1, 2, 3, que ça aura apporté des réponses à tes questions, et voilà. Je te donne rendez-vous à plus. D'ailleurs, t'es pas interdit de me contacter, hein, si tu passes sur Saint-Pierre. Voilà. Allez, ciao et bonsoir.